Hey, comment elle est? Comme vous avez pu voir, la tête pas là, donc c'est moins présent le podcast. Non, mais ça parle à la zone des macros. C'est quoi un macro? C'est quoi la bouffe et où? Bah c'est ça. Mais vite la vidéo parce que tout le temps c'est où les connus. Ah moi si vous êtes un coup célèbre, tout le monde y connaît, Anthony, Tony et tout, mais n'a pas connu ta ratière, et vous connaissez pourquoi? Et ça, c'est un macro mort. Bon, comme vous êtes connu sûrement, n'a pas longtemps de ça, mais il était à l'hôpital. Et là-bas, il n'y avait plus de choses, là, quand même, bouleversé mon esprit. Bon, déjà, quand on rentre l'hôpital, mais croyez qu'il se passait un peu comme dans les films, moi, ou sinon la série Urgence, vous connaissez. On est en train de le perdre. Allez, vite, tout de suite, emmenez-le au bloc. Il perd trop de sang, allez, donnez-lui 20 grammes de morphine. On est en train de le perdre, là, attends, électrochoc. Mais en fait, il se passe un peu autrement. Suivant. Bonjour monsieur, bah en fait, mon rendez-vous avec... Vous pouvez votre ticket, s'il vous plaît monsieur. Quel ticket? Ticket, comme là-bas, là. Ah bon, il faut aller attraper le ticket, oui, parce que ça attrape la viande, voilà. Bistros, comme cause à Caboucané. Et là, c'est numéro 723. Ah, bon, ben, c'est pas le ticket. Et dans combien de temps il en passe? Ben là, vu que c'est 723 et vous savez, le ticket, c'est du 804. Mais laissez-vous réfléchir. Numéro 723. Quand la fille passe par l'accueil, là faut au moins jusqu'à au service. Et quand on arrive là-haut, ben là il accueille pas haut avec un café hein. Bonjour monsieur, on va faire une précision, pouvez-vous les allonger s'il vous plaît? Bon. Ah bien, attends, faut pas, bouge pas hein. Totoche. Faut pas. Enfin. Et monsieur, les droits, c'est gauche en fait. Ah mes droits, c'est main. Ben fallait dire avant. Ah dis. Ben, étends le bras s'il te plaît. Après il arrive le moment où ça doit aller manger, ou plutôt où s'abonner pour te manger pour. Bien sûr quand il emmène le manger pour, c'est rougaille saucisse, bichic, porc chouchou, tijac boucané, ouais rien de bon ça fait manger quoi. Tu croyais? Et Denis, prépare où? Le repas y arrive hein. Ben encore bonne nuit là non? Quoi bonne nuit à 18h30? Ben, quand ça y mange donc? Ben, épinards en entrée. Purée sans sel en plat de résistance et yaourt sans sucre léger en dessert. Mais quand nous disons chez mémé. Mais cela pas fait un connu, on mange pas. Une crème ça dort sur mon ventre. Oui, allez. C'est le pareil un vieux monde, peut-être là où ça aimait, mais sinon ça là. Quand on a fini manger ou dire que ça passe au tranquille d'autre lit, pour bien regarder la télé. Mais là encore, c'est notre best girl. Bon, ça garde un peu de télé. Mais. Après, t'es comment en fait? Aïe aïe. Eh, tiens, viens! Hey! Wow! Hey! Quoi, fais pas ça, tu viens crier quoi? Ben, qui est pas qu'à la télé? Ben, ou après, il a été commandé en bas? Enfin, on l'a payé en bas? Non! Il faut payer? Ben oui, déjà l'hôpital est molle sans télé. Est-ce que les molles? Comme après, tu peux être opéré, le lendemain, il faut être à jeun. Donc, Banay vient prévenir à eux qu'il faut rester à jeun. Mais peut-être pas à l'heure idéale. Wow! Personne bouge vite, hein! Maintenant, on vient changer la perfusion et on n'a plus le droit de manger à pas de 10 minutes. Compris? Pas de l'eau et pas manger, compris? C'est bon, mais il est quelle heure là? 23h58, on a 2 minutes pour remplir de porte. Il y a une question qui me pose à moi, c'est est-ce que le matin, avant l'opération, quand on brosse dedans, est-ce qu'on est toujours à jeun? Parce qu'on voit, on brosse dedans, on a le dentifrice, on mange le dentifrice et on boit de l'eau en plus de ça. Ben, elle est simple. Elle est simple? C'est une question conne, les logiques quoi. Ben, on mange pas vos dents. Et puis moi, comme il a tellement la chance, mais il devait opérer à 8h, puis ben à l'aéroport à 11h, et finalement pour faire à 3h. Mais le pire dans tout ça là, c'est que faut au reste à jeun. Eh ben ouais. Denis, l'opération est reportée à 15h. Non. Mais m'a pas le droit de manger une snafée hein. Si vous voulez un KitKat ou un Twix. T'es bien dit KitKat d'ailleurs, mais refusé. Mais bon, on s'attrape. Bon. C'est qui après quoi manger jusqu'à 15h? Coup de bois. Dans la salle d'opération, on fait endort à où? Bon, moi, m'a fait en anesthésie locale. En gros, c'est deux canettes les rouvrir pendant qu'ils découpent à où en morceaux. Alors, peut-être pour les chirurgiens, il se passe plutôt comme ça. He is creating the pouch. Mais dans mon tête, à moi, il passe comme ça. Et bien sûr, pour faire endort à où, il y a une anesthésiste. La mienne était une allemande. Et d'après eux, le premier truc à dire, c'est quoi? Devine? Alors, écoute, devine? Tu as vu? C'est gagner la Coupe du Monde. Garde pas nous ça! En anesthésie locale, comme on n'est pas endormi totalement, on entend et voit un peu de trucs autour d'eux. Bon, on va commencer. Je vais demander des ciseaux pour faire. C'est bon. Allez.
Attendez. Petite cuillère. Wifi. Clé USB. On recouvre tout ça. En fait, on a mal fait. Comme l'image. Il faut le faire avec précision. Eh mais en fait, Jean-Pierre, on l'a vu dessus le page des podcasts de Tony Post Image, Jason avec deux rouleaux papier. Eh ouais, les trafics, j'ai essayé. Oh my god, ça comme des mots. En plus, c'est pendant l'opération. mais crois même pas ça, les bon. Bon, pour rien. Bon, pas raison. Mais c'est crème. Et quand l'opération elle est terminée, bien sûr, tout le monde est content. Tiens, attends. Si on regarde bien sûr le papier là, il devait opérer l'épaule droite, pourquoi la partie opère la jambe? Mais, docteur, il y a un truc qui n'est pas bon là, viens voir avec où là. It is a Dutch quality. Bon, même que l'hôpital était un peu piègue, ben dans tout ça, là, donne à moi envie de faire un filmier. Donc si dans quelques années, Zot voit mon tête, prépare à Zot. Hey, comment il est, tout le monde? Alors, monsieur, prépare le bras, il s'appelle perfusion. Eh, mais il rappelle. Vous rappelez de moi, où? Si tu as envie de savoir que ça arrive à moi, c'est simple, ou bien abonne-toi sur la chaîne YouTube, ou bien rejoins-nous sur la page Facebook, ou demande-nous un message privé que ça arrive à moi. Ou sinon, on partage la vidéo pour être sûr que ça arrive à moi. Allez, c'est parti, nous continuons.